Dijon invente un système énergétique territorial inédit en France basé sur la production et la consommation locale d'hydrogène produit à partir de déchets ménagers. Cet hydrogène vert alimentera les bus et bennes à ordures ménagères de la métropole. L'hydrogène combine tous les atouts pour un transport propre puisqu'il ne rejette que de l'eau et ne génère aucun bruit, aucun gaz à effet de serre et aucune particule. Avec l'hydrogène vert, Dijon Métropole engage un projet ambitieux de 100 millions d'euros pour construire le futur écologique du territoire. Comment ça marche? Les déchets des habitants sont collectés et déposés à l'unité de valorisation énergétique. Grâce à un électrolyseur, l'usine produit de l'hydrogène vert qui est ensuite disponible à la pompe des stations. Ainsi, dès 2026, 4200 tonnes de CO2 seront évitées par an, soit l'équivalent de 58 millions de kilomètres en voiture citadine. Dijon s'impose comme le moteur d'une filière d'avenir qui fédère autour d'elle des partenaires industriels de premier plan. Pour réaliser ce projet innovant, Dijon Métropole s'est associé au groupe local Rougeau Énergie pour développer un véritable système de production et à Storengy, filiale d'Engie, spécialiste du stockage de gaz et du développement des gaz renouvelables. Deux stations hydrogène sont créées, l'une située au nord de Dijon, qui sera mise en service en 2022, l'autre au sud de Dijon, réalisée en 2024. À partir de 2022, les premières bennes à ordures ménagères propres du territoire, puis les bus à hydrogène seront progressivement mis en service. Entre 2021 et 2030, l'objectif de Dijon Métropole est de faire fonctionner l'intégralité de son parc de véhicules lourds à l'hydrogène produit localement.